Jolie Nicole Callan était une jeune diplômée de 18 ans se préparant à rentrer à l'université. Au mois d'août 2015, elle venait de se lancer dans une toute nouvelle relation amoureuse. Malheureusement, la seule ombre au tableau était son ex-petite amie qui avait quand même assez de mal à tourner la page. Mais bon, les choses semblaient tout doucement se calmer jusqu'à ce qu'un beau jour, la police reçoive un étrange appel. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Jolie Nicole Callan, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire qui est assez folle, une histoire qui est aussi vraiment triste. J'ai pas envie de vous en dire trop, c'est une histoire qui a été résolue. Je sais qu'elle va sans doute être un petit peu plus courte que les autres, mais en tout cas, vous allez voir, je pense que l'histoire est assez complète. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy. Oli est la marque de boissons énergisantes et de thé glacé parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Les boissons énergisantes sont sans sucre, vegan, renforcées en vitamines et faibles en calories. De plus, elles contiennent des arômes et colorants naturels. Ce que je trouve également génial, c'est que pour sa gamme énergie, Oli utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Une autre chose qui va vous convaincre sans hésiter d'adopter Oli est leur engagement pour une planète plus propre. Un pot de Oli remplace 50 canettes. Mais laissez-moi aussi vous parler de leur gamme de thé. Là aussi, il s'agit de poudre, ce qui vous permet de vous faire un délicieux thé glacé en quelques secondes. Vous pouvez donc prendre vos petits sachets partout où vous allez et avoir un thé glacé super facilement. À nouveau, Oli vous propose plein de goûts différents et des thés riches en vitamines et antioxydants. Si vous êtes indécis, n'hésitez pas à commander leur pack découverte et si vous commandez leur starter pack, vous aurez en plus une jolie gourde en verre comme la mienne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5€ de réduction sur votre première commande avec le code PHENIXIA5 et avec le code PHENIXIA, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Aussi, les boissons sont livrables absolument partout dans le monde. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos si vous voulez aller voir leur site internet, faire de petites emplettes et sinon, n'hésitez pas non plus à aller voir leur compte Instagram, ils postent beaucoup, ils sont vraiment chouettes, good vibe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et sinon, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et merci à tous ceux qui le feront. À présent, maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette triste affaire. Jolie Nicole Callan est née le 29 décembre 1996 et a grandi aux États-Unis dans la ville de Vincent, dans l'état de l'Alabama, avec son père Michael, sa mère Regina, mais également sa grande sœur Jessica. Jolie avait une vie, disons, ordinaire, typiquement américaine. Adolescente, elle a fréquenté la Vincent High School et là-bas elle était connue comme une fille populaire. De plus, elle était quand même facilement reconnaissable parce qu'elle était vraiment petite, elle faisait 1m48 et elle avait les cheveux souvent colorés. Au départ, elle les avait beaucoup en noir, mais après ça, elle les atteint en rose ou en violet. C'était un peu son look signature. En 2014, Jolie avait alors 17 ans et elle était en dernière année au lycée de Vincent. C'est là qu'elle a rencontré pour la première fois un certain Lauren Daniel Bunner, le garçon qui allait devenir son petit ami. Alors, Lauren avait 2 ans de plus qu'elle et n'était donc déjà plus au lycée à ce moment-là. Mais ça ne les a pas empêchés de vite se mettre en couple. Par contre, c'est vrai que assez rapidement, Jolie a commencé à entrevoir des côtés un petit peu plus sombres de Lauren. Elle a en fait découvert qu'il était possessif et peu sûr de lui. Il avait toujours besoin que Jolie lui consacre la plupart de son temps et de son énergie. Et il n'aimait pas du tout quand elle allait voir des amis ou même des membres de sa famille. En soi, c'était un peu comme si Jolie devait le voir lui et personne d'autre. Tout son temps, toute son attention, c'était censé être pour lui. Pour vous dire à quel point leur relation était quand même assez sombre, un jour, lorsque Jolie avait tenté de rompre avec lui, il l'avait menacé de mettre fin à ses
jours. En soi, il lui disait que si elle décidait de rompre, il mourrait et elle en serait entièrement responsable. De mon côté, je me dis, bon, c'est peut-être son premier amour, c'est des adolescents, ils sont très intenses, mais dans tous les cas, ça reste des signes vraiment malsains et ça reste des signes qu'ensemble, bah, ils vont pas créer une relation saine qui pourrait avancer vers l'avenir. Donc le mieux dans tout ça, c'était au final quand même de rompre. Mais bon, malgré tout, le couple est resté ensemble à peu près 10 mois. Mais voilà, au début de l'été 2015, Jolie avait à présent 18 ans et elle a été diplômée de son lycée. À ce moment-là, Lauren lui avait 20 ans et elle voyait bien qu'il ne changeait pas. Et donc suite à ça, elle a pris la décision de rompre définitivement avec lui. De toute façon, Jolie savait qu'après les vacances d'été, elle allait commencer l'université. Et pendant les vacances, elle voulait simplement passer du temps avec ses amis et profiter des bons moments à venir. En soi, elle voulait pas vraiment entrer à l'université et être en couple. Elle avait envie de profiter du fait qu'elle avait 18 ans, elle voulait pas quelque chose de sérieux et au final elle était vraiment contente d'avoir rompu, contente d'avoir pu se libérer et d'ailleurs même les amis de Jolie lui avaient dit qu'elle devait rompre, que tout ça n'avait rien de sain. Mais clairement, il faut quand même se rendre compte que la rupture n'avait pas été une chose facile. Lauren était fou amoureux et il avait donc énormément pleuré, il l'avait supplié de ne pas le laisser, il avait beaucoup crié aussi et avait encore une fois menacé de mettre fin à ses jours. Clairement, il était passé par toutes les émotions possibles, mais Jolie ne s'était pas laissé démonter et avait maintenu la rupture. Après ça, pour ce qui est de Lauren, de son côté, il a vraiment mis des semaines à essayer d'accepter la rupture et des semaines pour réellement se rendre compte que lui et Jolie ne se remettraient plus jamais ensemble. Et d'ailleurs, quand il l'a compris, je pense que ça a été encore plus dur pour lui. Mais bon, plusieurs semaines après la rupture, il avait alors envoyé un message à Jolie et il lui avait dit qu'il avait compris. Il lui a dit qu'à présent, il ne l'harcèlerait plus, qu'il n'espérait plus se remettre en couple avec elle. Par contre, il lui a quand même demandé s'il était possible de rester amis. Là, Jolie avait quand même accepté avec joie. Elle n'avait pas vraiment de problème à continuer à le voir. C'était quelqu'un qu'elle appréciait malgré tout. En fait, elle aimait juste pas être en couple avec lui. Mais sinon, quand ils se voyaient, ils rigolaient bien, c'était des moments heureux. Donc, l'avoir comme ami, pour elle, c'était une bonne chose. Et puis, il faut aussi savoir une chose assez importante, même s'ils sont restés ensemble que 10 mois, quand ils étaient ensemble, ils ont décidé d'adopter un chien. Le chien qu'ils avaient adopté s'appelait Kiba, et après la rupture, c'était Lauren qui avait gardé le chien, même si Jolie, elle, venait assez souvent lui rendre visite. Il faut savoir que Jolie, c'était vraiment une grande amoureuse des animaux. Elle avait déjà un chien, un chat et un cheval dans la maison de sa famille, et Kiba était alors un chien très important pour elle, et elle savait que malgré la rupture, ça resterait toujours son chien. Elle tenait vraiment à lui et donc elle était contente de bien s'entendre avec Lauren, d'avoir une relation amicale avec lui. Comme ça, elle savait aussi qu'elle pourrait continuer à voir le chien. Par contre, autant vous dire que Jolie, de son côté, avait complètement tourné la page parce que, au mois d'août 2015, elle venait tout juste de commencer à sortir avec un nouveau garçon. Lauren le savait, mais c'est vrai que ça ne l'a pas empêché de proposer à Jolie de faire une randonnée avec lui le 30 août 2015. Jolie avait alors accepté, c'est vrai qu'elle lui avait dit qu'ils pouvaient rester amis, donc pour elle c'était une bonne activité à faire entre amis. Et surtout elle savait que leur chien Kiba serait là avec eux, donc ça la rendait encore plus heureuse. Mais aussi pour Jolie, cette randonnée venait marquer le fait qu'à présent ils étaient en bons termes et que les choses n'étaient plus aussi compliquées qu'avant. D'ailleurs, un peu avant de partir, Jolie avait envoyé un message à l'une de ses amies pour lui dire que la randonnée serait une randonnée d'amitié symbolique. Donc vraiment, elle y croyait à ce moment, elle y croyait à cette relation d'amitié et elle ne voyait strictement rien de négatif là-dedans. Donc voilà, le 30 août, Jolie, Lauren et leur chien Kiba se sont rendus dans la ville d'Oxford en Alabama à plus ou moins 45 minutes en voiture de chez eux. De là, ils ont alors été dans le parc d'État de Cheeha et ont commencé à marcher sur le sentier Pinhoti. La randonnée se passait à merveille, Jolie et Lauren semblaient vraiment bien s'entendre et d'ailleurs au cours de la randonnée, Lauren va prendre son téléphone et va photographier Jolie à pas mal d'endroits dans le parc. D'ailleurs, Jolie trouvait que c'était assez chouette, elle adorait avoir des photos postées sur les réseaux sociaux et elle trouvait que les photos que Lauren faisait d'elle étaient vraiment jolies. D'ailleurs, elle en avait même publié certaines sur son Instagram pendant la randonnée. La première photo publiée montrait Jolie dans la voiture avec un chien sur ses genoux et avec la légende « En route pour une promenade », suivie d'une photo d'elle en train de promener son chien. Les deux dernières photos postées montraient alors Jolie au sommet de la montagne avec une magnifique vue.
Par contre, à ce moment-là, personne n'aurait pu penser qu'il s'agissait en réalité de la toute dernière photo d'elle en vie. Jolie, de son côté, n'imaginait même pas qu'il s'agissait de ses tout derniers instants vivantes dans ce monde. Alors que Jolie regardait la vue au-dessus de la montagne, Lorraine a alors sorti un pistolet calibre 22 et a tiré deux balles dans la tête de Jolie. Elle a reçu une balle dans la nuque et une entre les deux yeux. Elle ne s'est rendue compte de rien. Elle n'avait aucune méfiance, aucune peur, mais elle est décédée en l'espace de seulement quelques secondes sans comprendre ce qui lui arrivait. Une fois que Jolie était décédée, Lorraine a poussé son corps du haut de la falaise de 15 mètres. Falaise que Jolie était en train d'admirer quelques secondes plus tôt. Après ça, Lorraine est restée calme et il a quitté le parc national. À son retour à la civilisation, il a pris son téléphone, il a appelé les secours et là, d'une voix posée et calme, il a tout simplement avoué ce qu'il avait fait. Il dira avoir tiré sur Jolie et l'avoir poussée de la falaise. Par contre, il va un petit peu manipuler la réalité en disant qu'il ne s'agissait pas réellement d'un assassinat, mais qu'en fait tout ça était à la base un pacte créé entre lui et Jolie. En fait, il dirait au secours que si lui et Jolie avaient été dans ce parc, c'était parce qu'ils avaient prévu de mettre fin à leur jour ensemble. Mais Lorraine dira également que après avoir tué Jolie, meurtre qui était donc selon lui consenti, il n'a pas eu le courage de se tuer soi-même. En tout cas, suite à cet appel, Lorraine a tout simplement attendu sur le bord de la route l'arrivée des autorités. Quand les agents de police sont arrivés, ils ont alors découvert Lorraine complètement couvert du sang de Jolie. Ils l'ont immédiatement arrêtée et il a donc été accusé de meurtre au premier degré. Lorraine avait alors avoué avoir prémédité tout ça, mais il continuera d'insister sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un homicide, mais d'un pacte suicidaire qu'ils avaient fait tous les deux. En soi, il dira même que tout s'était passé en soi comme prévu, simplement lui n'avait pas trouvé le courage de se tirer une balle dans la tête. Il continuera à dire que Jolie était d'accord, qu'ils voulaient mourir ensemble et que donc il ne s'agissait pas réellement d'un homicide. Sinon, en parallèle de tout ça, le corps de Jolie a bel et bien été retrouvé. Il se trouvait alors proche du fond d'une falaise rocheuse au sud du parc. Suite à ça, le 4 septembre, donc 4 jours après le décès de Jolie, ses proches se sont réunis au Vincent Revival Center pour ses funérailles, après quoi elle a été enterrée au cimetière de Vincent. Quelques semaines plus tard, Lorraine a alors réussi à payer sa caution et a donc été libérée en attendant son procès. Il a alors fallu 2 mois avant que le procès débute, mais il s'est finalement ouvert au mois de novembre 2015 et là, encore une fois, Lorraine a plaidé non coupable. Je le reprécise, mais il était donc accusé de meurtre au premier degré, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Mais bon, clairement, sa version des faits, son histoire de pacte suicide ne tenait absolument pas la route. D'ailleurs, par le passé, il avait déjà dit que s'il ne pouvait pas avoir Jolie, alors personne ne le pourrait. L'accusation dira alors que c'était sûr que Lorraine avait pensé à la manière dont il tuerait Jolie, qu'il avait pris son fusil avec et l'avait amené bien à l'abri des regards. Selon eux, tout avait été prévu. Par contre, on se dit qu'effectivement, peut-être qu'il disait la vérité sur un point. Peut-être qu'il avait effectivement prévu de mettre fin à ses jours après avoir tué Jolie. Mais une chose est sûre tout de même, c'est que Jolie, elle, ne voulait pas mourir. Elle n'était strictement au courant de rien. D'ailleurs, la famille et les amis de Jolie ont clairement indiqué qu'elle se préparait avec enthousiasme pour son avenir, pour son entrée à l'université et qu'elle ne semblait absolument pas déprimée. Selon les proches de Jolie, la question ne se posait même pas. Pour eux, c'était sûr, Lorraine avait tué Jolie de sang-froid lorsqu'elle avait refusé de relancer leur relation amoureuse. Sinon, pour ce qui est de la défense, les avocats de Lorraine ont eux décidé de plaider le fait qu'il se trouvait sur le spectre de l'autisme. Donc, qu'en raison de son état mental, il n'était pas tout à fait capable de comprendre la gravité des faits et peut-être qu'il s'était fait emporter par de trop fortes émotions dues à sa santé mentale. Et puis, ce n'est pas tout, les avocats de Lorraine ont également rappelé qu'il avait 20 au moment des faits, donc il n'était pas majeur. Je le rappelle, mais aux États-Unis, la majorité est à 21 ans, chez nous c'est 18 ans, et donc là-bas, si on a 20 ans, on est toujours vu comme quelqu'un de mineur. Suite à ça, les avocats de Lorraine vont alors rappeler la loi de l'Alabama. Loi qui disait que toute personne de moins de 21 ans peut se voir accorder le statut de délinquant juvénile. Si ce statut est accordé, eh bien évidemment, la peine prononcée devrait être bien plus clémente. En fait, si le juge donnait ce statut à Lorraine, ça voudrait dire qu'il ne devrait pas purger plus de 3 ans de prison, même si effectivement il était reconnu coupable de meurtre au premier degré. À ce moment-là, la famille de Jolie a alors eu extrêmement
tellement peur que ce statut lui soit accordé parce qu'à ce moment-là, pour eux, bah, ça voudrait dire que la personne qui a assassiné leur enfant n'aurait quasiment pas de peine de prison, s'en sortirait quand même assez libre au final. Et malheureusement, eh bien, c'est ce qui s'est passé parce que le juge a accordé ce statut à Lorraine. Ça a alors été une vraie déchirure pour la famille de Jolie qui a donc su que le meurtrier de leur fille s'en tirerait sans vraiment être puni. Suite à ça, les parents de Jolie ont alors demandé à un membre de la presse locale de faire une pétition pour que le juge retire le statut de délinquant juvénile de Lorraine Bonheur. C'est assez fou parce que, au final, ça va fonctionner et au mois de décembre 2015, donc seulement un mois après le début de la pétition, le juge a décidé de révoquer le statut de délinquant juvénile et l'affaire a donc été renvoyée une nouvelle fois devant le tribunal. Pour fêter ça, tous les proches, tous les amis de Jolie ont alors décidé de faire une veillée aux chandelles au parc municipal de la ville de Vincent. Pour vous dire toute cette histoire, le procès a vraiment touché énormément de membres de la communauté et à cette veillée, il y a une centaine de personnes qui sont venues. Lors de la soirée, tout le monde portait des chemises violettes, des bougies ont été allumées et les proches ont alors fait de longs discours pour pouvoir se souvenir de Jolie. Finalement, le 13 juillet 2017, donc quand même 2 ans après le drame, Lorraine a fini par plaider coupable du meurtre de Jolie Callan. Mais même s'il a plaidé coupable, ses avocats ont quand même demandé une peine clémente vu que, selon eux, il existait des preuves que Lorraine souffre d'une maladie mentale. Le juge, cependant, n'y a pas vraiment cru et donc il a décidé de ne pas en tenir compte. D'ailleurs, ce juge a appris que Lorraine s'était vantée à plusieurs reprises auprès de ses codétenus d'avoir commis le meurtre de Lorraine. Évidemment, le fait qu'il s'en vante a aggravé son cas. Donc au final, à l'audience de détermination de la peine, le juge a condamné Lorraine Danielle Bühner à 52 ans de prison et il a également été condamné à payer plus de 9 200 $ d'indemnisation à la commission des victimes d'actes criminels de l'Alabama. Par contre, Lorraine sera quand même légitime à une libération conditionnelle 15 ans après le début de sa peine. Ça ne veut pas dire qu'il pourra sortir à ce moment-là, mais en tout cas, après 15 ans, un juge reconsidérera sa peine et décidera s'il doit rester en prison ou non. En tout cas, Michael Callan, le père de Jolie, a estimé que la justice avait été rendue pour sa fille et il a d'ailleurs déclaré auprès des journalistes « C'était la bonne chose à faire. On ne vous condamne pas à 3 ans de prison pour avoir tué quelqu'un de sang-froid. » Jolie était une fille adorable, elle était adorable, adorable, adorable. Une bonne fille, et je pense qu'elle sourit aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. Au moins, justice a été rendue, son assassin est en prison aujourd'hui, et on espère qu'un jour il pourra comprendre tout le mal qu'il a fait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour en barre de description si vous êtes intéressé par les produits Holy Energy. N'oubliez pas non plus de mettre des petits pouces en l'air, de vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!